Salut les gars! Putain, c'est cringe, on est un youtubeur nul. C'est pas possible de commencer comme ça une vidéo. Salut! Ça fait un moment, hein. Oui, je sais, j'ai pris mon temps, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas décédé. C'est juste que j'ai fait un changement radical dans ma vie. Alors, je marche dans mon nouvel appartement qui est immense. Je sais que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. La dernière vidéo, c'était le court-métrage. On en parlera dans une autre vidéo où j'expliquerai un peu plus tout. Vous inquiétez pas, je ne suis pas décédé. C'est juste que, voilà, j'en avais un peu plein le cul de ma vie dans la situation dans laquelle elle était à l'époque. Et donc, j'ai pris un virage à 180 degrés. Alors, ce qui craque, c'est le parquet. Hein. Faut pas s'inquiéter. Donc, j'ai pris un virage à 180 degrés. Je me suis cassé de là où j'étais, donc moi j'étais sur Toulouse, donc je me suis complètement barré. Je me suis dit, petit changement de vie, ça régale, sauf que j'ai pas internet avant le 21. Et ça me pète légèrement les couilles en fait. Donc, oui, il n'y a pas de vidéo, oui, non, je ne suis pas parti. J'expliquerai tout ça dans une vidéo un peu plus quali. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura d'autres concepts de vidéos qui sont pas forcément en rapport avec le gaming, notamment, voilà. Il y aura une vidéo où on va parler de ce petit élément, voilà, et d'autres éléments que j'ai dans l'appartement aussi, voilà, de faire découvrir un truc que j'aime beaucoup. Enfin bref, il y aura d'autres concepts de vidéos sur la chaîne, il n'y aura pas que du gaming, j'aimerais vous faire découvrir aussi d'autres choses que j'aime, parce que nous on n'est pas là pour faire des vidéos qui fonctionnent, on fait des vidéos qui nous plaisent finalement, et je pense honnêtement que ça va vous plaire aussi. Donc voilà, donc là je me balade. Pour l'instant, il n'y aura pas trop de vidéos. Voilà, je vous le dis, il y aura peut-être des vidéos dans un format carré. Je vous tease un petit peu. Évidemment, dans la vidéo de retour, on parlera de du court-métrage. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de refaire des vidéos. J'ai internet dans 2 semaines, normalement. Donc là, ça fait un petit moment que j'attends. Tout s'est fait très vite, hein. Tout s'est fait très vite, le déménagement... changement d'environnement, tout ça, ça a été très rapide. Donc voilà, je vous ferai une vidéo pour vous présenter un peu l'appartement quand tout sera prêt et que j'aurai mis la déco qu'il faut. Parce que là, vous voyez, il y a des accroches sur les murs. L'appart est vide pour l'instant, il est assez vide. Donc il faut que je comble un peu avec la déco que j'ai envie de mettre et je vous montrerai. Mais normalement, ce sera incroyable. Il y aura aussi, alors je vais y aller, mais vous n'allez pas pouvoir le voir de suite, une vidéo parlant... du setup, et pareil, il faut que je fasse faut que je décore un peu ce studio, parce que oui, on peut parler de studio, ça va me changer la vie. Alors là, il y a beaucoup d'écho, beaucoup de reverb, donc pour faire des vidéos, gaming, c'est une catastrophe. Je vous assure que c'est une catastrophe. Oula, j'ai failli utiliser un peu le setup. Oh là là, attention, je vais sortir de là, sinon je vais faire une connerie. Il y aura aussi une vidéo, donc il y aura une vidéo sur l'appartement. Une vidéo sur le petit studio que je m'aménage actuellement pour faire des vidéos et à l'avenir, restreamer un petit peu. Ça ferait quand même grave plaisir de restream et de pouvoir discuter avec vous, échanger avec vous. C'était quand même génial. Et je compte pas le laisser tomber. Mais pour l'instant, il faut que je finisse mon côté déco. J'ai un thème bien précis. La radio que je vous ai montrée tout à l'heure donne un assez gros indice sur la direction que va prendre la décoration de l'appartement finalement. Et il y aura aussi une vidéo présentation du coup du setup, du studio, une fois qu'il sera terminé. Il va falloir attendre un petit peu. Le plus dur, ça va être de traiter vraiment le son. C'est une catastrophe. Trop de réverb. Je m'entends en double, enfin c'est une catastrophe. Je suis obligé de faire appel à des IA pour masquer la réverb, pour pas que ça s'entende quand je joue sur Discord. C'est pour vous dire à quel point, hein. Et ça dérange les gens avec qui je joue. Donc, voilà, en termes de performance, pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Mais ça va s'arranger. Dans tous les cas, soyez un peu patients, soyez gentils avec moi. Je lirai vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à faire des suggestions sur ce que vous pensez que... ça va être, en termes de nouveaux contenus, etc. N'hésitez pas, je lirai tout ça, je vous répondrai. Vraiment, l'espace commentaire de cette vidéo, on va pas mal discuter. Si voilà, vous avez envie de mettre un commentaire, j'y répondrai, on discutera tranquillement.
Donc voilà, nouvelle vie, nouveau projet. Là, je vais me régaler, je suis dans des conditions optimales, mais même plus qu'optimales. Je vous raconterai un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment peut-être des petits formats de vlog qui vont sortir entre-temps, pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. J'ai filmé pas mal de choses. En tout cas, ça me fait grave plaisir de ressortir cette vidéo après un long moment, parce que je crois que la dernière vidéo date d'Halloween. Octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, ça fait quand même presque 3 mois. Donc vraiment, j'ai hâte de lire vos retours, de ce que vous pensez qui va se passer sur la chaîne, etc. Il va falloir vraiment être patient, un petit peu. Je sortirai des petites vidéos, updates, etc. Un petit peu au format de vlog, comme ça, carré, qui change un petit peu. Et voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes régalés avec le magret et le foie gras, parce que ça régale. Ou avec la dinde. Ça dépend de ce que vous mangez pendant les fêtes. Écoutez, j'espère que vous êtes régalés. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse parler de tout ça. Et je vous souhaite une bonne année 2024. C'était Baroque. Tchou tchou ça.